Le coureur français de l'Arkéa Samsic, Warren Barguil, est devenu ce samedi 30 juin champion de France de cyclisme sur route. Je vous laisse donc avec la vidéo de son titre. Personne ne bouge derrière Guillaume Martin. Et personne n'y va, Guillaume Martin, qui est seul désormais, qui va tenter de creuser l'écart. Quentin Paché qui se dévoue pour y aller avec Julien Simon dans sa roue. Allez, plus dur c'est de prendre 20 mètres ici. Hein. Allez, le dernier virage. Il va arriver lancé très vite aux 300 mètres, hein, parce que ça descend, Marion, jusqu'aux 300 mètres. Voilà, ça se relève. Et il est bien parti. Paché qui regarde derrière, Julien Simon qui hésite à passer, qui réclame du soutien auprès de Damien Touzé. Et c'est Valentin Madouas qui fait l'effort maintenant avec Damien Touzé dans sa roue, mais Guillaume Martin est bien parti. Guillaume Martin, il lui reste quoi, 300 mètres là, ça va aller vite. Moins de 400 mètres pour Guillaume Martin qui va se retrouver très vite. Et Damien Touzé fait le boulot hein, pour Julien Simon. Damien Touzé, eh oui, parce que il sacrifie. Les 200 derniers mètres sont en faux plat. Guillaume Martin toujours en tête. Guillaume Martin qui est en tête, mais il n'est pas gagné cette course encore pour le courant moment. Il va être repris. Il va être repris avec Julien Simon. Angelo Tulic. Julien Simon toujours en tête. Julien Simon, Warren Barguil. C'est Warren Barguil qui est champion de France. On finish la victoire de Warren Barguil qui met un terme à la malédiction, lui qui n'avait plus gagné depuis si longtemps, Warren Barguil, champion de France. Il a gagné la belle course là. Ouais, il a bien joué. La victoire de Warren Barguil. Incroyable le finish. Alors on pensait que Julien Simon allait arracher la victoire, mais la malédiction se poursuit cuit, pour l'équipe Cofidis. Fort Barguil dans le final et surtout il a fait preuve de lucidité. Il était parti seul et puis il a senti que peut-être si ça revenait il n'aurait plus aucune chance alors de récupérer pour jouer la gagne. Il a préféré donc attendre, se regrouper.